Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur TV Cristal, c'est la quotidienne. Aujourd'hui dans votre émission, on retrouve bien sûr l'entretien, la météo, mais tout de suite, on regarde le journal télévisé. Madame, Monsieur, bonjour, voici les titres au sommaire. Le musée du pétrole situé à Pechelbronn a organisé sa dernière sortie découverte de l'année. Celle-ci avait pour thème les résurgences du pétrole. Nouvelle exposition à la Völklinger Hütte, les Röchling et l'usine sidérurgique de Völklingen. Elle retrace l'histoire de cette usine à travers ses propriétaires, les Röchling. Un atelier permettant de vérifier la pression pneumatique et l'éclairage des véhicules a été proposé sur le parking d'un supermarché de Rohrbach-les-Bitches. Cela fait des décennies que l'or noir de Pechelbronn n'a pas été exploité, laissant ainsi les pompes au repos. En revanche, le pétrole, lui, ne dort pas, il suffit de se rendre en forêt pour le vérifier. C'est ce qu'ont fait une vingtaine de personnes en présence d'un chercheur du CNRS, David Derbeck. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette végétation est en bonne santé. Quelques animaux de la forêt seraient passés par là après avoir pris un bain de pétrole. Difficile à croire, mais le musée de Pechelbronn l'a pourtant bien démontré ce dimanche grâce à l'intervention d'un spécialiste en géologie. En l'accompagnant, un groupe d'intéressés a pu constater les résurgences du pétrole, plus que jamais d'actualité, à Pechelbronn. Ce qu'on voit en forêt ici, c'est ce qu'on appelle les indices de surface, qui effectivement trahissent la présence de pétrole en profondeur. Après, tout dépend des quantités qui sont piégées en profondeur. Si c'est des quantités économiques, à ce moment-là, effectivement, on peut lancer l'exploitation pétrolière et éventuellement devenir riche. Le pétrole. J'aime ça, le pétrole. Devenir riche, ces mots en feront rêver plus d'un. Au risque de les décevoir, les quantités de pétrole en résurgence seraient minimes, mais suffisantes pour étudier cette substance hautement précieuse. Pechelbronn, en fait, c'est un système pétrolier ou un champ pétrolier qui est terminé, qui a terminé son histoire dans les années, fin des années 50. On continue à étudier ces gisements parce qu'en fait, on continue à essayer de comprendre par analogie ce qui se passe ici pour pouvoir comprendre ce qui se passe ailleurs dans le monde. Ces recherches permettent aux géologues d'envisager l'avenir et pour l'instant, celui-ci ne serait pas envisageable sans le pétrole. En effet, l'économie ne serait pas encore capable de s'en passer. En fait, je pense à ce qu'on appelle le mix énergétique. C'est-à-dire qu'il va falloir aucune alternative aujourd'hui au pétrole, au gaz naturel, au charbon permettrait de remplacer immédiatement cette ressource énergétique. Donc, il faut composer avec ces ressources-là pour préparer l'avenir, développer les énergies renouvelables. Le problème, c'est qu'on a encore des verrous technologiques et même scientifiques. Mixer les énergies serait donc une solution provisoire. Le temps n'est pas si compté que cela. Les réserves pétrolières enfouies dans le sol seraient périodiquement réévaluées. Les réserves pétrolières sont toujours annoncées sur une échéance de 20 ans. Après, l'avenir du pétrole, c'est le futur qui nous le dira. C'est-à-dire qu'on est toujours dépendant de nouvelles idées, d'évolutions technologiques et de nouvelles découvertes. De nouvelles découvertes, ils en auront fait ce dimanche. L'intervention du scientifique en aura captivé plus d'un. Qu'est-ce qui m'a marqué la possibilité d'utilisation, enfin que, et la recherche qui continue sur quelque chose qui existe en fait depuis 6 siècles par ici. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est les différentes techniques de différents pétroles, tout ce qui tourne autour du pétrole, c'est l'extraction, enfin c'est vaste, il faudra que je mette tout ça au clair. À l'image de ces intéressés, les randonneurs pourront à leur tour s'aventurer dans la forêt de Pechelbronn. Par endroits, c'est avec surprise qu'ils profiteront de cette odeur naturelle de pétrole. Le pétrole, c'est nickel et vanadium. Donc est-ce que, que deviennent notamment ces deux métaux dans le...
Un petit tour chez nos voisins allemands. L'histoire de l'usine sidérurgique de Völklingen est liée au nom d'une famille, les Röchling. Aujourd'hui, le patrimoine culturel mondial de l'UNESCO, la Völklinger Hütte, a voulu raconter à travers une exposition son histoire de plus de 100 ans. On y découvre des tableaux de la collection privée de la famille et aussi des documents inédits comme la lettre originale du patriarche Karl Röchling à son frère pour l'informer de l'acquisition de cette usine en 1881. Nora Boiriwa. C'est par cette lettre que l'histoire de la Völklinger Hütte commence. Le 27 août 1881, Karl Röchling informe son frère qui vient d'acheter les aciéries désaffectées de Völklingen. Karl Röchling est un commerçant rompu au rouage de la finance. Il arrive en quelques années à positionner cette usine au centre de l'industrie du fer et de l'acier en Europe. 14 ans plus tard, il cède la direction à son fils Hermann, auparavant parti aux États-Unis afin de parfaire sa formation dans le domaine de la métallurgie. Dans les décennies suivantes, Hermann Röchling a joué un rôle décisif dans le développement technique du site. Il a mis l'entreprise au service de la politique d'armement durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. À la fin du conflit, il a été jugé coupable de crimes de guerre au procès de Rastatt. Les charges retenues avaient été d'employer des travailleurs forcés et d'avoir annexé quelques mines françaises. Il a été emprisonné jusqu'à sa grâce. La direction de la Völklinger Hütte a voulu montrer aussi bien l'aspect innovant de l'usine que l'aspect sombre de son histoire. La journaliste et historienne Inge Plettenberg a fait des recherches sur les travailleurs forcés en Sarre. Pendant la Première Guerre mondiale, l'usine a fait travailler 1400 prisonniers de guerre russes et français. 20 ans plus tard, lors du deuxième conflit mondial, le recours aux travailleurs forcés a atteint un paroxysme avec plus de 12 000 étrangers au moment où Goebbels proclame la guerre totale. Ici, nous montrons pour la première fois toute une série de documents qui n'ont jamais été dévoilés au public. Comme des cartographies, des camps et des résidences. En l'occurrence, les endroits où les travailleurs forcés, des femmes, des hommes et des enfants, ont vécu. Nous nous sommes aperçus que de nombreux enfants sont nés ici. Nous essayons de comprendre et d'explorer le sort de chaque individu qui est passé ici. Plus de 250 travailleurs forcés ont trouvé la mort au sein de cette usine. Aujourd'hui, après 26 ans d'inactivité, la Völklinger Hütte s'est transformée en site labellisé patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. La direction a voulu rendre hommage à ces femmes et ces hommes en publiant sur son site internet les noms de ses défunts. Elle installera prochainement un monument aux morts au sein de ce complexe. Nous refermons cette édition avec une page prévention routière. L'association Automobile Club a tenu un stand sur le parking d'un supermarché de Rohrbach-les-Bitches. Les automobilistes qui le souhaitaient ont par exemple pu y faire vérifier la pression des pneus et le réglage des feux de leur véhicule. Des détails techniques à ne pas prendre à la légère. David Derbeck. Des phares mal réglés, des ampoules grillées ou une mauvaise pression pneumatique font partie de ces petits détails que l'on oublie de surveiller entre deux contrôles techniques et qui s'avèrent essentiels du point de vue de la sécurité routière. C'est sans doute l'une des raisons qui a motivé l'intervention d'Yves Biache, gérant d'auto-école à Rohrbach-les-Bitches et membre de l'Automobile Club. Sur le parking d'un supermarché, il a proposé durant deux jours ce que l'on pourrait appeler des mini-contrôles techniques gratuits. Souvent, on ne pense pas à faire le tour de son véhicule. Après, c'est peut-être aussi un petit peu de la négligence. Mais c'est vrai que rouler avec un feu, on peut être confondu avec un deux roues, ce qui crée forcément des embêtements pour les véhicules qui viennent en face. Et ça permet de resensibiliser aussi les personnes qui viennent. Quand est-ce qu'ils doivent allumer leur lumière et pourquoi les allumer? Non pas seulement pour voir, mais surtout pour être vu également. C'est justement à cause d'un doute sur les feux avant qu'un automobiliste de Rohrbach-les-Bitches a décidé de faire diagnostiquer sa voiture. Il a visiblement bien fait. Entre deux contrôles techniques, il est bon de vérifier, de revérifier régulièrement les paramètres. Et bon, l'occasion se présente, voilà, c'est tout. Il me semble que les deux phares sont pas réglés de la même façon. Donc je pense que ça peut gêner les conducteurs qui arrivent en face. Voilà, donc pour la sécurité en fait. Donc surtout dans les régions chez nous, on a du gibier ou autre, si les feux ne sont pas bien réglés, on verra peut-être pas le gibier non plus, ou alors trop tard. Tu viens de la maison là, ouais? Je viens de la maison, ouais.
Durant son intervention, Yves Biache a aussi rappelé que changer une lampe de voiture coûtait bien moins cher que de payer une amende. Si la gendarmerie aurait autrefois réalisé ce genre d'opération de prévention, il faut croire que le flambeau est désormais passé aux associations. Aucune date concernant la réitération de cette opération de prévention routière n'a été fixée, mais elle devrait probablement être reconduite. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, une très belle journée sur TV Cristal. Bonjour à tous. La situation sera plus calme ces prochains jours, mais une perturbation en perte d'activité nous arrivera samedi avec peut-être quelques gouttes. Le temps redeviendra plus clément dimanche et nous pouvons espérer plus de douceur au fil des jours. Vendredi, la fraîcheur sera bien marquée en fin de nuit, avec la possibilité de quelques gelées blanches dans les fonds de vallée. Des plaques de grisaille seront également de la partie. Ces brumes ou bancs de brouillard évolueront au fil des heures vers un ciel lumineux avec quelques belles périodes ensoleillées. Côté vent, les rafales de secteur est à nord-est sont comprises entre 10 et 20 km/h. Côté mercure, les minimales varient entre 2 et 4 degrés au lever du jour. Les maximales frôlent les 12 à 14 degrés l'après-midi. Concernant la qualité de l'air, pas de changement. La qualité de l'air reste bonne sur le pays de Beach. Air Lorraine communique un indice de 3. Vendredi, nous fêtons les Florentins. Saint Florentin, moine au 7e siècle, était connu pour avoir multiplié miracles et guérisons. Le soleil nous accompagne de 8h24 à 18h44 et nous perdons 3 minutes de soleil. L'histoire du jour est celle du 24 octobre 1790, jour où la France adopta le drapeau tricolore. L'Assemblée constituante décrète officiellement le drapeau tricolore, drapeau français, en substitution au drapeau blanc. Le drapeau tricolore apparaît dans la toute jeune République française. Il est largement inspiré par la cocarde que les révolutionnaires arborent depuis 1789. Il reprend le bleu et le rouge, couleur de la ville de Paris, et le blanc, couleur royale. C'est tout pour aujourd'hui, tout de suite, l'entretien. Très bonne journée à toutes et à tous. Les passionnés de l'Amicale des automobiles anciennes du Pays de Beach nous présentent les voitures de notre enfance et celles de nos parents. Gib Gas, exclusivement sur TV Cristal. C'est l'heure de l'entretien aujourd'hui. Je reçois Manuela Pechmann qui est sophrologue. Manuela, bonjour. Bonjour David. Bienvenue sur le plateau de TV Cristal. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Alors, je disais tout à l'heure, vous êtes sophrologue. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu ce que c'est et vous présenter aux téléspectateurs? La sophrologie, c'est quoi, hein? C'est ça? Oui, c'est ça la question. Donc, oui, c'est une question qu'on me pose souvent. Et je me rends compte que beaucoup de gens connaissent le terme, mais que peu de gens savent exactement de quoi il s'agit. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer la façon la plus claire et la plus succincte possible. Alors, il s'agit d'un ensemble de techniques basées sur la relaxation corporelle et mentale. Donc, on va utiliser des mouvements, la respiration, l'image, donc la visualisation mentale, et ce, dans le but de déjà calmer le mental, ce qui est déjà une bonne chose, si on arrive à le faire, et se libérer des tensions physiques accumulées au cours de la journée ou au cours des semaines. Ce sont en fait différents processus qui servent à, qui visent à détendre en fait la personne? Dans un premier temps, oui. Donc la sophrologie n'est pas simplement une méthode de relaxation, c'est bien plus complexe que cela. Mais c'est l'outil qui va nous permettre de pouvoir faire, d'accéder à un niveau supérieur, c'est-à-dire on va commencer par des exercices de relaxation, qui vont ensuite permettre de mettre la personne dans un état de réceptivité pour les exercices qui vont suivre et qui seront adaptés à son problème ou à sa pathologie. Quand vous dites niveau supérieur, qu'est-ce qu'on entend par là exactement? C'est mentalement? Mentalement et physiquement. Les deux ne sont jamais dissociés. Le but de la sophrologie dans une pratique quotidienne et régulière va permettre aux gens de reconnecter le corps et l'esprit, c'est-à-dire d'équilibrer nos comportements, nos agissements,
nos actions avec nos émotions et nos pensées, ce qui est très rarement le cas. On est tout le temps en train de réfléchir à ce qu'on doit faire après, ou ce qu'on a mal fait, et on oublie souvent notre corps. Et pour ça, je vais utiliser une image d'une amie sophrologue qui dit qu'on va apprendre à réhabiter notre corps. C'est comme une maison qu'on a abandonnée et qui va dépérir au fur et à mesure. En sophrologie, on va apprendre à habiter nos gestes en conscience et devenir responsable de nos vies et acteur de nos propres vies. Voilà. D'accord. Alors, j'ai envie de réagir à ce que vous disiez tout à l'heure. Vous disiez qu'on cherche à ce que la personne soit réceptive. C'est le mot que vous avez utilisé. Oui, ça me fait penser tout de suite, j'ai une image en tête, c'est un cliché, hein. Ça me fait penser à l'hypnose. Quand on cherche à faire passer les gens à un certain stade pour qu'on puisse agir sur eux. Oui. Est-ce que c'est la même chose ou pas du tout? Il y a une base d'hypnose, mais ce n'est pas du tout de l'hypnose. La personne, elle reste complètement consciente de maître de ce qu'elle a à faire. On essaye juste de se débarrasser des choses négatives qui nous polluent au quotidien, dans les pensées ou dans le physique, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, les tensions. C'est intéressant que vous me posiez la question parce que la sophrologie a été créée en 1960 par un professeur neuropsychiatre du nom d'Alfonso Caicedo et qui voulait trouver un moyen dans son travail quotidien pour aider ses patients. Donc il s'est évidemment basé sur ses connaissances à la base, c'est-à-dire l'hypnose et la psychiatrie, la neurologie, qu'il a élargi par la suite avec des voyages qu'il a fait et des recherches avec d'autres méthodes comme le yoga, le zen, le bouddhisme. Voilà. Tout ça, c'est lié alors c'est... Tout ça, c'est très lié. Donc, ce qui en fait une méthode qui est très complexe et très complète, mais qui offre par la suite des exercices très simples et très efficaces. Et vous, comment est-ce que vous avez appris la sophrologie? Alors, par un complet hasard, j'ai une personne qui m'a conseillé d'aller voir une sophrologue à une époque de ma vie où j'en avais besoin. Et donc je l'ai pratiqué pendant très longtemps pour moi-même. J'ai accroché à la méthode et je me suis rendu compte qu'elle avait beaucoup d'effets bénéfiques. Et au fur et à mesure, j'avais envie de creuser un petit peu et je me suis inscrite à la formation. Et voilà, c'est simplement une découverte, un coup de cœur, et je me suis rendu compte que voilà, c'est quelque chose qui me plaisait et que j'avais envie de le transmettre. Alors aujourd'hui, vous avez votre auto-entreprise, vous proposez vos services donc de sophrologie. J'aimerais vous demander dans quel cadre est-ce qu'on est amené à utiliser la sophrologie, si les gens sont intéressés par ça, quand est-ce que vous allez les conseiller de faire de la sophrologie? Alors, une personne qui vient voir un sophrologue vient pour la plupart du temps pour des pathologies liées au stress. Par exemple, les troubles du sommeil, troubles de la digestion, anxiété, angoisse, des peurs, des phobies, donc toutes ces raisons-là. Et il y a aussi tout ce qui permet d'aider à la préparation à un examen, à un événement particulier, à une interview télé. à une compétition sportive, comme l'équipe de France en 98, hein, était suivie par un sophrologue. D'accord. Voilà. Donc ça peut avoir plein d'utilités. On peut aussi l'utiliser pour accompagner un traitement médical, un sevrage, un régime, et tout simplement aussi pour son propre développement personnel, pour un mieux-être au quotidien, car le but ultime de la méthode dans une pratique quotidienne, c'est de développer notre conscience et la conscience qu'on a non seulement de nous-mêmes, les ressentis qu'on a de soi, mais aussi du monde qui nous entoure, pour être plus en accord avec ce qu'on est au fond de nous-mêmes et avoir la vie qui s'harmonise avec. Ça évite beaucoup de conflits en général. Excusez-moi, est-ce que ça a un lien avec l'empathie ou pas du tout? L'empathie... Quand vous parlez de s'ouvrir au monde.
Oui, ben ça se fait automatiquement. De toute façon, à partir du moment où on n'est plus conscient de certaines choses, on remarque plus de choses et on y est plus sensible. Donc les choses vont de pair. Et c'est toute une transformation qui peut se faire à très long terme, mais par une répétition régulière. Et c'est aussi un point important en sophrologie. Je vais parler, par exemple, si je peux me permettre, du rôle du sophrologue. Le sophrologue, c'est un guide qui est là pour proposer à la personne qui vient le voir des exercices qui lui sont adaptés. C'est pour ça qu'avant chaque séance de sophrologie, il y a un dialogue entre les deux personnes. Et ce dialogue va permettre d'établir une espèce de projet de travail ou de recette si c'est pour une séance ponctuelle, comme si le sophrologue avait une boîte à outils et il sait quoi sortir pour que la personne puisse l'utiliser pour gérer son souci ou sa pathologie. Et pour en revenir à mon sujet, donc la personne a ses outils, le sophrologue les met à disposition, lui montre comment il fonctionne, et cette personne est censée pouvoir rentrer chez elle et les reproduire à la maison régulièrement. Et ça, c'est un espèce de contrat qui tacite entre les deux personnes aussi. Le sophrologue ne juge pas, n'interprète pas, c'est pas son rôle, il met des outils à disposition. C'est la personne qui... Voilà. Et ça, il y a aussi ce côté actif où quand on vient consulter un sophrologue, il y a une certaine volonté d'avancer dans son chemin de vie. Ça ne se fait pas tout seul, comme dans tout apprentissage, ce qui est logique. On décide de prendre sa vie en main consciemment. Et voilà, donc ça passe par le fait de s'entraîner à la maison. C'est ça qui rendra la méthode le plus efficace possible. Très bien. Alors pour les personnes justement qui sont intéressées, est-ce que vous proposez de découvrir cette activité par des ateliers ou ce genre de choses ? Oui, évidemment. La première chose que je peux vous dire, c'est que par exemple, je propose dans le cadre du forum Octobre Vert à Meisenthal, je propose deux ateliers d'initiation au cours de la journée DIY, Do It Yourself. Le 2 novembre, dimanche 2 novembre, donc il y a un atelier le matin de 10h à midi et un second l'après-midi de 14h à 16h. Le tarif est libre. Il faut juste venir avec des vêtements assez confortables et emmener de quoi prendre des notes et éventuellement s'inscrire à l'avance, ce qui serait bien car le groupe est limité à 10 personnes. Très bien. Et pour les personnes qui souhaiteraient vous consulter, où est-ce que vous exercez ? Alors, j'exerce à Petersbach, à 5 minutes de la Petite Pierre, dans le parc naturel des Vosges du Nord. Et je peux prendre des personnes en séance individuelle, sur rendez-vous. Mais je propose aussi des ateliers mensuels pour l'instant, avec une thématique. Donc, par exemple, demain, vendredi 24 octobre, c'est un atelier qui s'intitule « Expérimenter le lâcher-prise ». Je propose un atelier tous les vendredis, une fois par mois, 19h30. Au mois de novembre, ça sera l'atelier s'intitule « Se libérer par la respiration ». Et le 12 décembre, un dernier atelier pour 2014 qui s'intitule « Retrouver son corps ». Voilà. Très bien. Manuela, merci d'être venue aujourd'hui sur le plateau de Télécristal. Merci à vous d'avoir invité. Avant de nous quitter, est-ce que vous pouvez simplement nous communiquer vos coordonnées pour les personnes qui sont intéressées pour vous joindre ? Oui. Alors j'ai, pour avoir déjà un petit visuel, j'ai une page Facebook, donc facebook.com/mpeschmann.sophrologue. Et mon numéro de téléphone, sinon 06 66 76 55 93. Voilà, vous n'avez pas peur, hein. Vous venez de donner votre numéro de téléphone à la télévision. Enfin, je plaisante, bien sûr. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Et à une prochaine fois. À une prochaine. Chers téléspectateurs, tout de suite, vous retrouvez l'émission Une certaine idée de l'histoire avec Jean-Pierre qui nous parle des banques. Je vous donne rendez-vous demain 18h pour une nouvelle émission de La Quotidienne. Merci de votre fidélité à TV Cristal. Et d'ici là, bien sûr, portez-vous bien.